Je pense pas. Je pense qu'il est quand même plus rapide que moi. Non, je vais assez vite, mais je pense pas aussi vite que lui. Salut Nkunku, je m'appelle Adem. Comment tu imaginais ta vie de footballeur quand tu étais petit? J'imaginais pas toutes ces contraintes-là, tous ces sacrifices-là, mais voilà, je voyais plutôt une envie de jouer avec des amis et prendre beaucoup de plaisir sur le terrain. Bonjour Nkunku, je m'appelle Maël. Quel est ton film préféré? Mon film préféré, c'est Street Dancer. C'est mon film préféré parce que j'aime bien voir les gens danser et que j'aime bien l'ambiance aussi du film. Bonjour Nkunku, je m'appelle Amedi. Quel est le joueur le plus fort avec qui tu as joué? Le joueur le plus fort avec qui j'ai joué, je pense que c'est Zlatan Ibrahimovic. Parce qu'il a un certain caractère sur le terrain et qu'il est, malgré sa corpulence, il est très technique et il réalise de très beaux mouvements. Il a marqué un très grand nombre de buts et j'aime bien aussi sa manière de jouer. Salut Nkunku, je m'appelle Ayoub. C'était quoi ta matière préférée quand tu étais à l'école? Ma matière préférée, c'était le sport. Parce que j'aime le sport et c'était une matière dans laquelle j'avais toujours une bonne moyenne. Salut Nkunku, je m'appelle Naïl. Comment faire pour intégrer un centre de formation? Je pense qu'il ne faut pas se focaliser par rentrer dans un centre de formation. Si tu es bon, ça va venir, mais je pense que l'essentiel, c'est de prendre beaucoup, beaucoup de plaisir quand tu joues au football. Salut Nkunku, je m'appelle Yousri. Est-ce que tu regardes encore les matchs du PSG? Oui, je regarde encore les matchs du PSG. C'est mon club formateur et je suis toujours attaché. Donc dès que j'ai l'opportunité, je regarde leurs matchs. Salut Nkunku, je m'appelle Abdoul. Est-ce que tu cours plus vite qu'Mbappé? Je pense pas. Je pense qu'il est quand même plus rapide que moi. Donc non, je vais assez vite, mais je pense pas aussi vite que lui.